suis arrivée dans un espace très très grand que j'ai eu du mal à mettre à mon échelle humaine. En fait, c'était, je savais, je l'avais vu avant le lieu, hein, mais le voir comme ça blanc, disponible pour moi, pour mes estampes, ça m'a un peu fait paniquer au départ. Mais après, on se rend compte que finalement, ça va être un magnifique espace de résonance. Tu penses qu'on a assez de recul? Est-ce que c'est judicieux? Je sais pas. On pourrait faire des installations aussi. Et qu'on ait vraiment l'impression de rentrer dans la page du livre. Mm-hmm. Tu te rappelles? Oui. En fait, c'est comme ça que moi, j'ai cherché et que je t'ai trouvé. Historiquement, là, on utilise la gravure pour reproduire des œuvres d'art, pour les rendre populaires. Et ça, c'est une idée qui, pour moi, est très rattachée à la gravure et à laquelle je suis liée aussi. C'est-à-dire faire un art populaire, accessible, qui peut être transmis par ce biais-là. Sur votre technique de dessin, c'est-à-dire si un jour on arrive chez vous et qu'on vous nous invite dans votre atelier, qu'est-ce qu'on trouve dans votre atelier sur votre table? C'est une technique à proprement parler. Il y a des gestes à apprendre, il y a de la chimie un petit peu selon la technique qu'on utilise, en cuivre c'est le cas. Des gestes qui ont traversé les époques, pour moi, c'est aussi une manière de m'inscrire dans le temps, en fait, dans ma pratique artistique. Alors, je vous montre comment marche la gouge. Donc, vous la prenez dans le creux de la main. D'accord ? On va pousser avec cette partie-là de la main. On descend le poignet. Et ensuite, on pousse. Vous allez voir, quand vous allez graver, vous, sur des tout petits morceaux, déjà, ça va pas être facile. Alors, vous allez imaginer, quand vous verrez ça en grand, à l'âge très définitif, vous comprendrez mieux la teneur de son travail. Ça sonne dans 3 minutes. On a un long travail de recherche sur le dessin, ensuite on a le travail de reproduction du dessin sur la plaque, ensuite de gravure, donc c'est un travail qui va s'étendre sur beaucoup d'heures, quoi, parfois des dizaines d'heures. Donc de garder la même énergie dans le trait pour que le trait soit fort, percutant, c'est ce qui est le plus dur, je trouve. J'essaye de garder l'énergie du dessin au moment de la gravure. La technique de la gravure sur lino et bois me permet de faire des images qui sont assez percutantes pour être vues de loin et lisibles de loin. Mais le but, c'est de pouvoir accrocher le regard à ce moment-là, donner envie de s'approcher. Et quand on s'approche, on découvre dans l'image tout ce que le personnage raconte, tout ce qu'il a à dire et tout le sujet de l'estampe vraiment. Et j'aime bien l'image qu'il raconte. Quand j'ai décidé de commencer à placer des images dans la rue, il fallait tout dire en une seule. Donc trouver des façons de le faire. Et cette double lecture-là, elle permet ça.
C'est-à-dire qu'on a le thème, on sait de quoi on va parler. On va parler d'un enfant, d'un personnage. Et en s'approchant, effectivement, il y a toute une histoire qui se déroule à l'intérieur. Il n'y a pas de texte, donc on n'est pas guidé par les mots, on est guidé juste par l'image et par le contexte. Je m'y sens bien, mais ça a été un chamboulement hier parce que effectivement, ça a fait bouger la séno. J'étais partie dans l'idée, un peu comme l'idée de la rue, d'interpeller, d'être vue. Et finalement, là, c'est pas du tout ça qui se passe. On est forcément vu, le lieu est là pour ça, donc c'est pas du tout la même démarche. Et c'est plutôt surprendre, accompagner le regard. On est finalement peut-être plus proche de la lecture d'un livre que de l'art urbain. Enfin, il faut que ça soit vertical. Comme ça. La petite fille au parapluie, elle est blottie sous un parapluie, il pleut dans le parapluie, donc elle ne s'en protège pas, au contraire, elle se garde son morceau de pluie pour elle. Et au-dessus, on a des éléments naturels qu'elle se ramène au-dessus d'elle pour la nourrir. Elle ne se coupe pas du monde, au contraire, elle se crée ce monde qui va lui permettre d'aller vers le reste. Là-bas, quand il avait dit que la fille, il avait l'impression qu'elle sautait, mais en fait, je pense plutôt qu'elle vole ou comme ça. Moi, ce que je pense, c'est à cause de l'air, parce qu'à chaque fois, il y a de l'air sur les tableaux. Par exemple, parce que là, on voit que ça vole un peu, là, ça vole un peu. Parce que tout, à chaque fois, il y a les cheveux qui sont un peu droits, l'herbe ou les cheveux, ou les habits, l'herbe et les cheveux. L'herbe, les cheveux, les habits, ben, ils sont toujours un peu comme ça, pour que, comme s'il y avait de l'air et le vent qui poussait, à chaque fois il y a du vent. Pourquoi ça pourrait pas être de la peinture? Parce que j'aime cet aspect éphémère. J'aime que ça parte avec la pluie, ça se dissout. Le papier que j'utilise, il fond un petit peu avec l'eau. Quand il a la chance de rester longtemps sur un mur, l'eau l'abîme et il s'use à certains endroits qui correspondent aux formes du mur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse rester là et faire waouh. Parce qu'on aura progressé, on aura découvert, on aura intégré, on se sera dit elle fait des trucs en extérieur, je suis en intérieur. Mmh.
Ici, on est dans un endroit où j'ai rencontré des enfants il y a 2 ans. C'était la première fois que je faisais ça, j'allais à la rencontre de gamins qui habitaient dans des conditions extrêmement précaires, dans un squat. Et j'ai passé plusieurs mois avec eux, venir les voir, faire de la gravure, du dessin. J'ai voulu revenir sur place, voir ce qui s'était passé depuis, comment était l'endroit, et remettre les estampes, les représentants. Ils ont été joyeux. On en a partagé des moments de joie à ce moment-là. Et en fait, quand je place ces estampes, c'est pour dire qu'il y avait de la joie d'enfant ici, dans ces murs. Ça paraît complètement contradictoire, mais il y avait ça. La Convention internationale des droits de l'enfant, donc elle a été signée à l'ONU, elle dit qu'à partir du moment où un humain mineur rentre sur le territoire, il doit être accueilli, hébergé, soutenu. Il a droit à l'accès à l'éducation, il a droit à la santé, etc. Moi, j'aurais jamais pensé dessiner quelque chose en lien avec la Convention internationale des droits de l'enfant parce que je pensais naïvement qu'en France, c'était respecté. Et c'est loin d'être le cas. Et ça trouvait parfaitement sa place au pénitent parce qu'on a accès à l'exposition sur les séries qui concernent les enfants, ce qui est effectivement une grande partie de mon travail, mais qui n'est pas la totalité non plus. Petite, les chrysalides, elles me faisaient peur. Il y a eu un parallèle qui s'est fait dans ma tête entre cette histoire de chrysalide, donc de lieu effrayant, d'où va sortir quelque chose de magnifique. Parce que ces gamins, ils ont une force de vie incroyable. Ils sont débrouillards, ils sont curieux, ils sont intelligents, ils sont à l'école de la vie tous les jours. Et ils sont beaux, moi je les trouve magnifiques. Et c'est cette idée-là, le papillon, l'insecte que tout le monde trouve beau, mais qui vient de quelque chose que beaucoup vont trouver répugnant ou pas agréable à regarder. Alors comme c'est un papier très fin et un peu spécial, quand je le colle sur le mur, il devient tout lisse, bien tendu et on... Finalement, quand on regarde, on ne sait pas très bien si c'est un collage ou si ça a été dessiné directement. C'est ça qui me plaît aussi, c'est que quand je mets des images dans la rue, on sait, parfois, on se demande si ça ne vient pas du mur, en fait. L'image, on a l'impression que l'image vient du mur, elle sort du mur, et qu'elle n'a pas été posée dessus. Le fait de la mettre dans la rue, et de la rendre visible partout, c'est accessible, on peut la toucher même, etc. Ça change la donne, évidemment, c'est autre chose. Et moi, je suis intimement convaincue qu'on fait la différence, même pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, entre une estampe, donc une épreuve à imprimer vraiment à la main, et une impression numérique. Ça se voit. La qualité de l'encre sur le papier, la couleur, l'intensité de la couleur, même au toucher, on sent le relief de l'encre sur le papier, il y a des tas de choses qui font qu'on se rend compte de la différence. Vous avez appris un nouveau mot aujourd'hui. Estampe, c'est une gravure imprimée sur papier, donc c'est l'impression. Okay. Et donc c'est une estampe là qui a été collée sur un rocher, c'était en Tunisie, un rocher face à la mer Méditerranée. Je pense mes estampes pour un lieu précis, parce qu'elles ont une résonance particulière à cet endroit-là. Cette image-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, quand elle va être vue, elle va raconter quelque chose qu'elle n'aurait pas raconté dans un autre contexte.
Et ce qui m'intéresse là, c'est cette interaction du lieu, du temps et de cette personne-là qui va la regarder. J'en arrive à me demander si l'œuvre, ou en tout cas la réalisation artistique, c'est pas ce moment-là. C'est pas juste immatériel en fait, c'est juste le moment où la personne va la regarder à cet endroit. C'est quelque chose qui s'expose pas, qui se vend pas. C'est un truc complètement hors matérialité. Je vais l'ancrer complètement. Par contre, il faudra que je l'imprime en deux fois. De graver déjà, c'est pas juste dessiner, c'est graver, donc placer dans de la matière, quoi. D'ancrer, ensuite de ancrer, c'est un double sens en plus. Ce mot, il est riche. Et ensuite de placer les estampes sur des murs dans le but de rendre visible. Mais rendre visible pour qui, pourquoi ? Alors ça, c'est pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Je pense de plus en plus que moi, la forme d'art que je préfère, c'est celle qui permet de révéler une certaine forme de conscience sociale chez celui qui regarde. En douceur, tu passes par d'autres biais, tu passes par la beauté d'une image, tu passes par... c'est pas un coup de poing, c'est vraiment donner envie à la personne d'ouvrir les yeux, de voir les choses différemment ou de les voir. Sûrement quelques retouches. Hein. En gravure sur bois et lino, on part du principe qu'on grave ce qui est blanc sur le papier, on grave ce qui ne se verra pas. Donc effectivement, c'est une gymnastique de l'esprit, on pense un peu en négatif. Et puis après, effectivement, il y a l'inversion de l'image au moment de l'impression qui va être en miroir. C'est des branches, ouais. Et avec des quelques petites branches et des fleurs. En fait, et la balançoire est faite avec des racines. C'est des lianes. C'est des lianes. Non, les c'est des branches. Non, parce que des branches, ça se casse, et les lianes, ça se cache pas. Et là, il y a des... C'est des lianes. Ce fil, c'est l'équilibre à trouver pour traverser la vie. Cette fragilité, mais en même temps, ce qui nous rend sensibles à tout ce qui va se passer. J'ai fait 5 ans d'études à l'école Estienne. Et à la fin de ça, j'ai travaillé 7 ans à l'Institut National des Jeunes Aveugles, où j'étais graveuse et je faisais du matériel pédagogique. Là, vous pouvez la toucher si vous voulez. Vous pouvez passer votre main dessus sans gratter. Vous pouvez passer et vous voyez qu'il y a du relief. Il y a des zones qui sont creuses, des zones qui sont bien en relief. Avec le temps, je me rends compte que c'est très proche de ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je rends visible des gens qui vivent des choses difficiles et qu'on ne voit pas ou qu'on ne regarde pas ou sur lesquels on ne se questionne pas. Je les rends visibles d'une certaine façon. Je veux que ce soit beau, que ce ne soit pas forcément violent, même si la situation l'est, et qu'on ait envie de les regarder surtout. Donc, rendre visible, oui, ça devient une ligne directrice forte. Thank you.
je remarque les ombres, il n'y a que des ombres, les des enfants. Mais après, ils sont pas les... beaucoup colorés, ils sont que soit il y a des ombres, des arbres, des branches. Il n'y a pas quelque chose de dramatique, en fait, dans ce que je raconte. Et ce détachement, il est fait par le fait que c'est fait sur les vêtements et que ça peut s'enlever. Ça peut, on n'est pas attaché à ça toute sa vie. Je voulais qu'il y ait un dialogue avec les visiteurs. C'est vraiment un choix pour moi, qu'il y ait un lien, qu'il y ait une tension avec les visiteurs. Elle a voulu représenter la vie, mais en fait juste avec des plantes et l'air et le vent. Mais et les personnages qui sont aussi pauvres, mais du coup, là, puisqu'on ne veut pas les voir pauvres, ça ne fait pas joli, elle les fait comme s'ils n'étaient pas pauvres. Et du coup, ils leur font le sourire, ils s'amusent et ils mettent surtout des maisons parce qu'ils n'ont pas de maison pour leur dire qu'ils ont des maisons. Et les plantes pour qu'ils regardent parce que souvent les enfants perdus sont dans des villes. Et là, ils leur mettent des plantes comme s'ils habitaient avec des fleurs, un champ. Cette balançoire, pour moi, elle symbolise cette étape-là, de cette résidence et de cette exposition ici. C'est une balançoire qu'on a l'impression qu'il ne reviendra pas, en fait, qui se détache, qui avance, qui va vers quelque chose d'autre qui pousse, qui grandit, parce que de l'autre côté, ça fleurit. Et en tout cas, je voulais que cette estampe soit un témoignage de cette exposition comme une étape dans mon parcours artistique. C'est un peu moi, cette petite fille. C'est une transition, cette exposition, c'est une transition pour moi.